Bienvenue dans votre émission qui vous parlera aujourd'hui de la délivrance avec comme sous-thème les liens du sang. Sur ce plateau, le pasteur Paul Panzi est venu répondre à vos multiples questions par rapport à ces sujets que les liens du sang, puisque nous allons beaucoup plus nous attarder là-dessus, sur les liens du sang, et dans l'ensemble, nous parlerons de la délivrance. Shalom, pasteur. Oui, shalom, ma soeur, shalom à vous tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de partout. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore avec vous pour vous aider en ce qui concerne la délivrance des liens de sang, pour vous aider à comprendre c'est quoi le lien de sang. Pasteur, nous parlons de la délivrance. Et comme sous-thème, nous avons dit les liens du sang. Mais expliquez-nous d'abord, c'est quoi en fait une délivrance? Donc la délivrance, en fait, c'est la libération des captifs. Parce que quand on dit délivrer une personne, c'est briser les chaînes qui retiennent cette personne-là. C'est faire sortir cette personne-là des prisons spirituelles. Donc nous voyons que la délivrance a été le message que Christ a prêché. Parce que quand il a commencé dans son discours programme, dans Luc chapitre 4, du 15e jusqu'au 18e verset, nous voyons, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la délivrance aux captifs. Donc Christ est venu avec le message de libération, de libérer les captifs des prisons spirituelles, des liens sataniques et des mauvaises choses qui nous retenaient, qui nous empêchaient d'être vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. Oui, pasteur Paul, pour quelles raisons doit-on être délivré et qui est appelé à délivrer une personne? Nous sommes appelés à chercher la délivrance, premièrement quand dans un domaine, nous sentons que nous sommes liés. Nous voyons qu'il n'y a pas de liberté dans ce domaine-là. Ça peut être le domaine de mariage, ça peut être le domaine de travail. Tu vois que tu n'es pas libre dans ce domaine, tu es comme limité. Quand tu vois dans un domaine donné, il n'y a pas la liberté, il n'y a pas l'épanouissement, sache que dans ces domaines-là, tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir besoin de la délivrance en ce qui concerne le mariage, quelqu'un peut avoir la délivrance en ce qui concerne la prospérité, quelqu'un peut avoir le travail, quelqu'un peut avoir besoin de la délivrance en ce qui concerne les relations. Donc, dans chaque domaine où la personne voit qu'il est limité, dans le domaine où la personne voit qu'il n'y a pas d'épanouissement dans ces domaines-là, là, il y a la nécessité de chercher la délivrance. Alors, qui est appelé à faire ces services de la délivrance? Oui, l'homme de Dieu qui est appelé à faire le travail de délivrance doit être un homme qui a d'abord reçu l'onction de Dieu, qui est mandaté par le Seigneur, parce que Christ, avant de commencer le travail, va dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction. Donc, une personne qui est habilitée à faire la délivrance, c'est une personne qui a reçu l'onction de Dieu, qui a reçu le mandat de Dieu, qui est appelée par Dieu pour ce travail-là. Tout le monde ne peut pas faire la délivrance. Vous devez être qualifié par le Seigneur pour ce travail-là. Vous devez avoir en vous le ministère de la délivrance. Donc, dès que l'homme de Dieu a le ministère de la délivrance, en ce moment-là, il peut exercer ce ministère-là en faveur du peuple de Dieu pour recouvrer la liberté. Comment comprendre que cette personne ou cet homme de Dieu a le ministère de la délivrance, pasteur? C'est comme si tout le monde s'y met là-dedans, tout le monde devient quelqu'un qui délivre, tout le monde devient prophète actuellement. Et nous, enfants de Dieu, on ne sait pas exactement chez qui il faut aller. Vous devez reconnaître un homme de Dieu qui a le ministère de la délivrance, premièrement par les enseignements, deuxièmement par les témoignages qui suivent son ministère. Il faut que dans son ministère, il y ait les témoignages des gens qui ont été délivrés. Si dans son ministère, il n'y a pas de témoignages de délivrance, donc cet homme-là n'est pas appelé à ce ministère-là. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il dote la personne de l'onction, du pouvoir pour faire ce travail-là. Et ce pouvoir est accompagné maintenant par des témoignages, des vies changées, des vies délivrées. Là, on peut dire que vraiment, cet homme de Dieu-là est appelé au ministère de la délivrance. Pasteur, est-ce que chaque fois que nous constatons qu'il y a un blocage dans un quelconque domaine de la vie, ça nécessite nécessairement une délivrance? Ça peut aussi être peut-être par rapport à la situation sociale du pays, hein? Quand un homme dédié voit que cette personne a des difficultés financières, est-ce que ça prouve
seulement que cette personne a des blocages spirituels et que la personne doit passer nécessairement à la délivrance ou peut-être que la personne doit aussi travailler ou chercher à être autonome pour avoir l'argent. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par la délivrance? Non, nous disons ceci que c'est pourquoi l'homme de Dieu qui a le ministère de la délivrance, un des dons que Dieu lui donne, c'est le don du discernement des esprits. Quand la personne vient, l'homme de Dieu, en l'écoutant, Dieu peut lui révéler, voici la source du problème de la personne. Il y a des problèmes qui demandent les conseils, il y a des problèmes qui demandent la prière. Vous savez qu'il y a des problèmes qui sont dus aux envoûtements. Quand ce problème est dû aux envoûtements, par exemple une maladie, je ne sais pas, peut-être je vais parler à une personne qui me suit là. Tu as suivi tous les traitements médicaux, mais il n'y a pas amélioration. Tu es toujours malade. Tu as consulté des spécialistes, la maladie ne se termine pas. Là maintenant nous voyons que c'est un problème spirituel. Quand par exemple quelqu'un amène des marchandises, il met ça à un bon emplacement, mais au finish, la personne n'arrive pas à toucher des bénéfices, la personne n'arrive pas à s'épanouir dans son travail, dans ses affaires. Là, nous constatons qu'il y a un envoûtement. Donc, il y a la pauvreté par envoûtement. Quand il s'agit des problèmes qui sont dus aux envoûtements, là maintenant, intervient le ministère de la délivrance. Quand c'est des problèmes normaux, on peut donner des conseils. Mais quand c'est dit aux envoûtements, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez suivre les conseils qu'il faut. Mais la personne va toujours retomber. Donc, la nécessité de la délivrance apparaît quand il s'agit des attaques, des envoûtements. Vous savez qu'il y a des maladies que les médecins n'arrivent pas à guérir. Épilepsie, d'autres maladies, qui sont des attaques spirituelles. Donc, quand une maladie défie tout traitement, là, maintenant, nous voyons la nécessité de la délivrance. Quand vous voyez, par exemple, une jeune soeur qui est belle, qui a les qualités qu'il faut, 25 ans, 30 ans, 35 ans, elle n'arrive pas à se marier. Là, on voit maintenant qu'il y a un combat spirituel. On voit maintenant qu'il y a un envoûtement qui l'empêche de se marier. Parce que peut-être que la personne aussi se comporte mal. Parce que souvent, les hommes de Dieu aussi nous désorientent. Je viens avec un problème qui nécessite peut-être seulement la prière ou qui nécessite peut-être que moi, la personne qui vient avec cette personne, que je change peut-être ma situation, ma façon de vivre. Hein, que ça nécessite seulement le conseil. Et comme l'homme de Dieu n'est pas appelé n'a pas l'esprit de Dieu, mais dit non, ma soeur, il faut aller à la retraite, il faut faire autant de jours de jeûne et prière, il faudrait passer par la délivrance, alors que le problème que moi j'ai amené là nécessite seulement le conseil. Parfois, c'est vous aussi qui nous désorientez avec nos problèmes quand nous venons vous voir. Donc, l'homme de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit que l'homme de Dieu doit posséder les dons de discernement. Première chose qu'un homme de Dieu qui fait le ministère de la délivrance doit avoir, c'est le don de discernement. Deuxième capacité que le Saint-Esprit donne à cette personne-là, c'est le don de révélation. Donc, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Maintenant, quand la personne vient, on pose des questions. Il y a des questions qu'on peut poser à la personne. Par exemple, ça fait combien de temps que vous avez ces problèmes-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour que votre situation s'améliore? Vous voyez que la personne a dit, j'ai fait tous les efforts qu'il faut. Mais la situation ne change pas. Est-ce que la personne craignait aussi le Seigneur? Oui. C'est ça aussi le problème. Maintenant là. Parce que une situation peut aussi persister parce que vous ne craignez pas le Seigneur. Oui. Maintenant là, l'homme de Dieu qui a le discernement va voir dans la prescription. Parce que nous, comme nous travaillons vraiment, c'est comme la médecine. Nous donnons la prescription à la personne. Parmi les prescriptions que nous allons donner à la personne, il y aura la repentance, mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que quand il n'y a pas de l'ordre dans sa vie, quand nous marchons dans le péché, donc il y a des ouvertures. Et l'ennemi peut profiter pour détruire. Donc, il y a certains problèmes qui partent par des conseils, mais il y a certains problèmes qui partent par la délivrance. Quand on va parler de... Je vais expliquer le lien de sang. Vous allez peut-être... Beaucoup de nos spectateurs vont un peu comprendre un peu de quoi... C'est parce que certains problèmes sont dus aux envoûtements. Oui, parce que là, nous entrons déjà dans notre sous-thème que les liens du sang. Et quand peut-on parler du lien du sang? Oui. Le lien de sang, c'est quelque chose qui est fort, comme on voit dans le sang. Donc, ce sont des problèmes, ce sont des malédictions, de faiblesses que nous héritons à cause de notre sang. Quand nous lisons dans la parole de Dieu dans Psaume 51, verset 7, David dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché. » David est en train de confesser ses péchés. Il fait sortir une affirmation qui est très forte. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Les liens de sang, en fait, c'est quoi? Ce sont des faiblesses
que nous héritons à cause de notre sang. Quand nous prenons le cas de David, nous allons voir par exemple, dans le cas de David, David avait des problèmes avec les péchés sexuels. David ne faisait que tomber dans l'immoralité. Mais quand nous voyons dans la famille où David est sorti, sa mère l'a conçu dans les péchés. C'était un enfant hors mariage. Nous voyons David tomber dans le même piège. Donc, quand vous voyez les gens tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes faiblesses que les membres de sa famille, là nous parlons des liens de sang. Mais il y a des choses qui nous permettent de répertorier, de détecter que dans ce cas ici, il s'agit des liens de sang. Donc ce sont des faiblesses, ce sont des malédictions qui sévissent les membres d'une famille. Donc les liens de sang agissent par simple appartenance à une famille. Donc quand vous appartenez à cette famille-là, donc vous avez il y a des problèmes qui viennent, qui sont dus à cela. Alors pour détecter les liens de sang, il y a deux choses. La première chose que vous devez faire, là où vous êtes, si vous avez un stylo, vous pouvez écrire. Donc la première chose, c'est quand dans votre famille, plus d'une personne souffre d'un problème. Quand vous regardez dans la famille, par exemple, plus d'une personne... Une maladie héréditaire. Oui, par exemple, une maladie héréditaire. Par exemple, vous tous, vous ne faites que divorcer. Donc là, quand vous voyez plus d'une personne souffrir d'une maladie, d'une faiblesse, il y a des familles où les gens sont colériques. Donc là, c'est une faiblesse. Parce que quand nous voyons Moïse, une des choses qui a fait écarter Moïse, c'était la colère. Or, d'où est venue la colère de Moïse? C'est venu dans sa racine, donc de Lévi, son ancêtre. Donc son ancêtre était quelqu'un de colérique. Ça, c'est ma famille. Et la même chose, c'est répertorié dans la vie de Moïse. Donc il y a des faiblesses comme ça. Quand vous voyez une chose, plus d'une personne dans la famille, ce n'est pas seulement moi, mais c'était ma sœur aussi, c'était la même chose. Là, nous parlons des liens de sang. Deuxième chose maintenant, pour reconnaître les liens de sang, quand les gens ont tendance à se conformer au mauvais modèle qui est dans la famille. Quand les gens de la famille suivent un mauvais modèle, vous verrez par exemple votre papa vous aille avec beaucoup de mamans, et vous aussi vous commencez à avoir des enfants à gauche, à droite. Donc là, vous vous conformez au mauvais modèle de votre famille. Et si vous vous conformez à un bon modèle de votre famille, là, ça c'est quoi? Là maintenant... Ça c'est pas les liens de sang? Oui, là on parle pas, parce que les liens de sang c'est quelque chose de négatif. Ah bon? Les liens de sang c'est plus quelque chose de négatif. Ouais. Quand vous copiez les négatifs qui est dans votre famille, vous savez, même les gens de ce monde disent tel père, tel fils. Donc on reconnaît indirectement les liens de sang. Quand vous vous comportez textuellement comme votre papa traitait votre maman. Il y a des choses qui sont dans les consciences, mais la personne reproduit cela. J'ai reçu le cas d'un frère qui est venu pour sa femme, et sa femme a commencé à le tromper dans les toits conjugales. Et quand nous avons commencé à voir en profondeur la vie de la femme, nous avons vu que cette femme-là ne faisait reproduire que la même chose que sa mère. Sa mère aussi faisait la même chose à son père. Donc quand vous voyez les gens reproduire les mauvais modèles qui sont dans la famille, sachez qu'il s'agit des liens de sang. Parce que c'est quoi en fait les liens? Les liens c'est quoi? Les liens c'est quelque chose qui nous rattache aux mauvaises choses qui se trouvent dans notre famille. Donc c'est dans le sang. Les liens vous bloquent. Les liens font ce que vous puissiez reproduire les mauvaises choses. Vous verrez que votre papa a divorcé, vous aussi les enfants, vous commencez à divorcer. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle, dans sa famille, c'est l'alcool. Il y a sa sœur qui a eu des problèmes dans le mariage à cause de l'alcool. Elle maintenant, à un moment donné, elle avait beaucoup de problèmes dans son mariage. Elle a commencé à boire, à boire, à boire. Mais elle va à l'église. Elle connaît le problème. Mais elle me dit, pasteur, c'est très fort que moi. Ouais. J'ai compris que c'était un problème de lien de sang. C'est pourquoi les liens de sang sont des choses très fortes à nous. Même certains hommes de Dieu, vous les reverrez dans l'église, ils sont en train de commettre l'immoralité. Des fois, nous les condamnons. Mais quand nous allons dans les racines, nous allons voir que leur papa aussi faisait la même chose. Nous les condamnons parce qu'ils ne cherchent pas également la délivrance. Oui. C'est pas dit qu'un homme de Dieu ne doit pas chercher aussi la délivrance, oui. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu également qui sont liés dans ces liens de sang. Par exemple, dans des cas comme ça. Mais ces genres de personnes il faut les aider. Imposent les mains aux gens. Oui, il faut les aider à la délivrance.
Parce qu'il arrive un moment que celui qui délivre a besoin aussi de la délivrance. Ouais. Quand, c'est pourquoi le livre de ça, ça ne regarde pas les titres de quelqu'un. Lorsque vous-même, vous n'êtes pas délivré, vous serez incapable de délivrer une autre personne. Oui. Voilà que beaucoup de gars que nous avons dans l'église aujourd'hui, parce que beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas délivrés. Ouais. Et n'oublions pas aussi que la délivrance, c'est un processus. Ouais. Donc, même eux, ils ont besoin de la délivrance. Donc, quand nous comprenons les problèmes de lien de sang, nous allons voir que 80% des problèmes que les gens ont viennent de leur famille. C'est pourquoi, moi, chaque fois que je reçois des cas, la première chose que je pose à la personne, quelle est la situation dans votre famille? La situation qui persiste. Oui, quelle est la situation dans votre famille? Et beaucoup de gens me disent, ah, pasteur, mais ce que vous avez dit là, c'est vrai. Mais mon frère aussi avait les mêmes problèmes. Ah, mon père aussi avait la même chose. Ma mère aussi était comme ça. Donc la personne se réveille maintenant. Il prend conscience. Il dit, ah, c'est une situation qui est dans la famille. Donc beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes qui sont dus au lien de sang. Pasteur, comment vous procédez alors pour la délivrance de ces genres de personnes? Est-ce que leur délivrance se ressemble avec la délivrance, par exemple, d'une personne qui a la sorcellerie? Non, parce que chaque cas... Comment ça se fait? Est-ce que vous descendez dans la famille pour savoir un peu plus comment ça s'est passé, comment les grands-parents de ces personnes se sont comportés pour en fait passer à la délivrance? Est-ce que cette délivrance concerne seulement la personne seule ou alors toute la famille? Oui, dans des cas comme ça, par exemple, la première procédure que nous faisons, nous donnons à la personne les enseignements. Donc à partir des enseignements, la personne va comprendre. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La deuxième chose, c'est maintenant, c'est la prise de conscience. Parce que quand quelqu'un ne prend pas conscience de son combat, c'est difficile qu'il soit délivré. La personne doit comprendre son combat. Et la troisième chose que nous faisons, nous demandons aux gens, vous devez étudier l'histoire de votre famille. Quels sont les péchés que les gens de votre famille tombent souvent? Quelles sont les maladies qui sont récurrentes dans votre famille? Quels sont les domaines où dans votre famille les gens échouent? Vous savez, quand vous regardez même dans la Bible, nous voyons la famille d'Abraham. Le premier problème que nous voyons dans cette famille-là, c'était d'abord le problème de stérilité. Et le deuxième problème, l'échec des premiers-nés. Abraham, son premier-né, c'était Ismaël. Il a échoué. Isaac, son premier-né, Ésaïe, a échoué. Et Jacob, maintenant, son premier-né, Ruben, lui aussi, il a échoué. Lui, jusqu'à ce que son propre père l'a maudit. Donc, là, nous voyons l'échec des premiers-nés. Il y a beaucoup de gens dans des familles, vous verrez, les gens rencontrent toujours des mauvais hommes, des mauvais partenaires, des cas de divorce, des cas de morts prématurés. Vous verrez dans des familles, les gens ne prospèrent pas, tous sont dans la même situation. Donc, ce sont des problèmes dus au lien de sang. Donc, quand la personne maintenant commence à étudier l'histoire de sa famille, quelles sont les choses qu'il y a dans votre famille? Vous savez, dans beaucoup de familles, il y a des non-dits. Il y a des choses que les gens constatent seulement. Mais vous devez faire maintenant une lecture spirituelle des choses qui sont dans votre famille. Vous regardez du côté paternel, parce que l'homme a des composants du côté paternel et du côté maternel. Quelles sont les choses qu'il y a du côté de votre papa? Vous pouvez prendre un stylo. Écrivez les mauvaises choses qu'il y a du côté paternel. Écrivez les mauvaises choses qu'il y a du côté maternel. Et commencez maintenant à voir les mauvaises choses qu'il y a dans votre vie. Vous écrivez et faites maintenant un ensemble pour mettre ce qu'il y a de commun. Tel oncle, tel neveu, tel cousin. Oui, vous écrivez et vous mettez aussi dans votre vie. Maintenant, faites un ensemble maintenant pour mettre ce qu'il y a de commun. Vous allez voir. Mais vous savez, ce problème de ça est très fort. Il y a des gens même qui meurent de la même façon que leur père. Pourquoi? Parce qu'à cause du lien de sang. Pasteur, comment se comporter après sa délivrance vis-à-vis de sa famille? Oui. Vous savez, quand vous êtes libéré des liens de sang, vous devez prier pour que vos frères et sœurs aussi soient délivrés. Vous savez, Dieu avait dit à Gédéon ceci. Il ne faut pas les fuir. Hein? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ne fuyez pas votre famille. Vous devez pas fuir votre famille. Ouais. Vous devez lutter dans la prière pour qu'eux aussi parviennent à la connaissance et puissent être libérés.
Parlez-nous, pasteur, du pacte des sangs. Est-il différent d'un lien des sangs? Oui, le pacte des sangs est très différent des liens des sangs. Les liens des sangs, c'est des choses que nous acquérons par héritage. Le fait que nous sommes dans la famille. Mais le pacte des sangs, c'est des choses que nous faisons des fois volontairement ou involontairement. Par exemple, des amoureux, oui. Ils se blessent, oui. Et ils boivent le sang pour se promettre fidélité. Oui. Là, c'est un pacte des sangs. L'autre forme de pacte des sangs, quand vous allez vers une fille qui est vierge, vous déviergez une fille, vous faites des pactes des sangs. Parce que cet acte-là, il y a le sang qui coule. L'autre façon aussi, c'est quand vous allez vers une femme qui est dans ces périodes de menstruation. Là, quand vous faites des moments intimes, là, des temps comme ça, donc vous faites aussi les pactes des sangs. Quand aussi, pour votre vigueur, on vous demande de boire du sang humain ou du sang des animaux. Vous faites aussi les pactes de sang. Donc le pacte de sang est vraiment très différent du lien de sang. C'est quoi alors l'inconvénient d'un pacte de sang? Non, le pacte de sang est très fort. Bien sûr que le lien de sang est aussi fort, mais le pacte de sang est plus fort. Parce que nous avons eu beaucoup de gens qui souffraient des pactes de sang. Personnellement, j'ai reçu le cas d'une femme qui avait fait le pacte de sang avec un homme. Ils se sont séparés. Mais la femme n'arrivait pas. Oui, à oublier cet homme-là, ni à s'épanouir, ni à se remarier, ni à refaire sa vie. Donc, le pacte des sangs, vraiment, c'est très fort. Je vais vous inviter, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans les pièges du pacte des sangs. Marchez conformément à la parole de Dieu. Vous pouvez vous aimer, mais n'allez pas jusque-là. C'est les extrêmes auxquels l'ennemi pousse les gens pour entrer dans les alliances et les tenir dans la captivité. Est-ce qu'on peut aussi sortir facilement du pacte des sangs? Facilement, je dirais non. Mais c'est possible de sortir des pactes de sang. Donc, il y a une procédure aussi pour le cas des pactes de sang. Donc, si vous êtes là, vous avez fait des pactes de sang, nous pouvons vous aider. Mais sachez que cette procédure-là peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps par rapport au lien du sang. Oui, donc, ça peut prendre un peu plus de temps par rapport au lien de sang. Tout en restant dans les pieds des hommes de Dieu. Tout en restant dans les pieds des hommes de Dieu en suivant les enseignements. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la délivrance des liens du sang. Qu'est-ce que les téléspectateurs de cette émission peuvent retenir sur les liens du sang? Ce que vous pouvez retenir, c'est quand vous voyez dans votre famille, plus d'une personne a un problème. Sachez qu'il y a les liens de sang. Quand vous voyez que vous êtes en train de vous conformer au mauvais modèle qu'il y a dans votre famille, sachez que vous avez besoin de la délivrance des liens de sang. Voilà les deux choses qui peuvent vous aider facilement à reconnaître les liens de sang et à combattre cela. Sinon, nous sommes là pour vous donner en plus en détail ces enseignements-là. Dieu vous a appelé pour la délivrance. Oui. Donc, vous êtes disposé à faire la délivrance aux personnes qui sont liées et vous donnez vos coordonnées par rapport à ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment touchées par rapport à ces messages. Il y a des personnes qui ont fait des pactes de sang. Il y a des personnes qui ont des liens de sang. D'ailleurs, pour les liens de sang, là, nous sommes tous dedans. Nous sommes liés dans les sangs. Dans une famille. Et il y a des gens qui ont fait des pactes des sangs et qui veulent avoir la délivrance parce qu'ils ont des problèmes dans leur mariage par rapport à cet acte-là. Ils ont des problèmes dans leur vie. Ils connaissent des problèmes dans leur vie par rapport à l'acte qu'ils ont posé. Et ces personnes-là ont besoin de la délivrance. Pasteur, vous donnez vos coordonnées pour les personnes qui veulent vous voir pour passer dans différents services de délivrance par rapport à ça. Donc, nos coordonnées sont les suivantes. Vous pouvez nous appeler au plus 243 82 260 87 93. Plus 243 82 260 87 93. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi m'écrire par ce numéro-là. Je suis disponible pour vous aider. Ou carrément, vous pouvez venir à notre adresse. Nous sommes dans l'avenue Louvungi, numéro 15 bis, dans la commune de Barumbu. Référence, c'est le croisement des avenues Kassai et Kabamba. Donc, dès que vous êtes dans le croisement des avenues Kassai et Kabamba, dans la commune de Barumbu, vous demandez à venir l'ouvrir numéro 15 bis. Nous sommes là, nous recevons le mardi et le jeudi à partir des 16h juste. Et les autres jours, nous sommes là de culte. Vous pouvez prendre des rendez-vous. On va vous aider pour la délivrance. Et vous ne demandez rien pour passer à la service de délivrance comme les autres demandent des chaises. On demande de l'argent, beaucoup d'argent pour voir l'homme de Dieu. Il faut remplir la fiche, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ça prend tout le temps alors que la personne
cherche la délivrance, la personne est bloquée, la personne cherche à être délivrée et on vient lui imposer des choses comme ça que la personne n'a pas. Nous ne demandons pas cela. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Parce que nous allons commencer à vous dénoncer sur ce plateau. Voilà, amis de la Bible, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu le pasteur Paul Pandi. Merci à vous tous qui étaient branchés. Excellente journée dominicale dans vos maisons, dans vos familles.